لازم نشوفوا في لاجندا تاع لا بوليتيك اكستيريور دو لالجيري لو كونفلي دو سارا اوكسيدونتال سي ان دوسي. المشكل اللي صرا لنا درك حنا مؤخرا وهذا يعني رساله لازم ناكد عليها هو ان منذ مده اصبحنا ننظر الى ان السياسه الخارجيه الجزائريه كلها تصب في ملف الصحراء الغربيه والعلاقه مع المغرب وهذا اكبر خطا دوك نقول لكم علاش اكبر خطا هذا خطا استراتيجي حنا شوف كل دوله عندها ما يسمى بال the national character of the state الشخصيه الوطنيه للدوله الدوله كيما الانسان لازم يكون عندها موقف تكون ثابته في الموقف تاعها لانه كان تكون ماشيه في موقف تتراجع على ذاك الموقف هذا يضر بها كيما يضر الانسان الان حنا نقدروا نكملوا يعني ندعموا هذه القضيه اللي راهي مطروحه على مستوى الامم المتحده لكن هذا ملف الصحراء الغربيه ندافعوا عليه بطريقه هو انه مركز الاهتمام تاع السياسه الخارجيه تكون الجزائر والجزائر والجزائر حنا لازم نفعلوا نديروا ديناميكيه للدبلوماسيه الجزائريه لانه لماذا لانه كي تكون تاع عندك دبلوماسيه قويه سواء دبلوماسيه المنظمات او المؤتمرات او الدبلوماسيه الثنائيه او الدبلوماسيه الاقتصاديه او الدبلوماسيه الثقافيه نهار اللي تقوي الدبلوماسيه تاعك اوتوماتيكيا كل الملفات اللي متعلقه بالدبلوماسيه تاعك تقدر تصوبها على وفق المصالح تاعك وفق الاهتمامات تاعك لكن المشكل اننا الان رانا نديروا العكس يعني نصبوا كل اهتمام في هذا الملف وتركنا الاهتمامات بالسياسه الخارجيه بصفه عامه سوفين صخري سوفين صخري امي لاكسون sur un sur un sur un sujet très important Ersen est-ce qu'il peut y avoir des représailles non militaires peut-il y avoir une escalade oui mais non militaire l'Algérie peut-elle réagir d'une autre manière que par les armes. Bon, on va rester sur le terrain global et stratégique. L'Algérie est faible. Parce que son régime est isolé. Et même le président français Macron s'est permis de le dire. Ça veut tout dire. Même le président Macron s'est permis de dire que le Hirak avait fragilisé. On ne peut pas s'engager dans des grands mouvements de bras de fer à l'international si on n'a pas un minimum de cohésion à l'intérieur. Et donc, quand il y a eu Amgala 1 et Amgala 2, on espère qu'on n'en arrivera pas là. Mm-hmm. Et on n'en a pas beaucoup parlé d'ailleurs. Personne, Houari Boubdi n'a pas dit on a subi ça. Bon, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Ménat Défense et Akram Khalif. Mais on n'a pas annoncé des représailles. Donc là, c'est une erreur, à mon avis, dans le communiqué. Il a cette faiblesse. Si jamais il se passe quelque chose demain, si le Polisario fait quelque chose demain, ça va être attribué à Alger et ce n'est pas bon. Est-ce qu'à l'époque d'Amgala, l'Algérie était moins faible, alors que même en 1976, le Maroc avait l'entier soutien occidental aussi Mais il y avait des combattants, c'est eux qui ont fait la différence, jamais les Algériens. C'est un peuple qui était en lutte pour être écouté, pour ne pas disparaître. L'armée algérienne a apporté un soutien logistique. Mm-hmm. Non, je dis la réponse diplomatique. Je prends juste un exemple pour dire que l'Algérie est faible. Et l'Algérie de Ahmed Gaed Salah et de Abdelmadjid Tebboune et de Saïd Chingriha reste faible. Moi, je ne peux pas. C'est un vrai problème. On a réagi à la présence, la déclaration du ministre des Affaires étrangères israélien à partir de Rabat, qui effectivement a pointé quelque chose de dangereux en parlant de l'Iran et de la relation de l'Algérie avec l'Iran. Mais quand Abu Dhabi met un consulat à Dakhla, le régime algérien que je connais dans sa tradition, etc., je suis désolé, il y a des représailles. Je suis désolé, il y a des représailles sur les Émirats arabes unis. Il n'y en a pas eu. Et il n'y en a pas eu. Moi, je l'ai revendiqué, je l'ai demandé. J'ai dit, c'est pas normal sur ce dossier-là. Ils savent l'engagement de la diplomatie algérienne sur cette question, c'est une forme d'agression de l'Algérie. Et on n'a pas eu. C'est un indicateur. Mmh. Si on ne s'est pas montré fort sur cette question-là, à ce moment-là, parce que derrière les Émirats, il y a l'Arabie Saoudite qui soutient le Maroc, on a montré un signe de faiblesse qui provoque un enchaînement. Et donc, moi, je ne m'attends pas à grand-chose. Bon, évidemment, il y a des gesticulations, etc. Mais en termes de cohérence et en termes de puissance diplomatique, je ne m'attends pas à grand-chose. Nabil Esmaïl, dans cette tension algéro-marocaine, il faudra choisir son camp. Il faudra... On ne peut pas choisir. Est-ce que c'est une question que beaucoup d'Algériens se posent depuis quelque temps sur les réseaux sociaux et Sofiane Sakhali a dit, on peut ne pas être d'accord sur le plan interne, mais il y a des choses sur lesquelles on doit défendre. Est-ce que sur ce point précis... il doit y avoir une union nationale
pour dénoncer ce qui s'est passé dans le territoire sahraoui. Il ne faudra pas confondre entre qu'il y ait une union nationale et avec le fait de laisser ce qui se passe en externe, ce qui se passe sur le plan des deux pays, engloutir la révolution interne. Donc l'unité nationale, je pense qu'elle est là. Il n'y a pas de danger sur ça de la part du peuple. Le peuple, il est clair que le peuple ne va jamais accepter qu'il y ait une mise en danger de l'unité nationale, une attaque ou quoi que ce soit. Tout en disant que le peuple aussi est d'accord pour qu'il n'y ait pas d'escalade armée, militaire avec les voisins. Parce que nous sommes, comme a dit Hassan, nous sommes faibles en interne. Le pays est très faible. Donc on ne peut pas envisager ou parler de faire un choix. Il s'agit de l'Algérie. Et l'Algérie, elle a été affaiblie. Elle est affaiblie par une gestion sécuritaire qui n'a pas de raison d'être. Et là, même sur le plan international, le régime algérien est isolé. Donc, il y a beaucoup de risques sur l'Algérie maintenant. Moi, ce que je peux dire, c'est que je crois que le peuple reconnaît ses priorités. Le peuple sait qu'il ne va jamais... il ne sera jamais la menace contre son pays et il ne va jamais permettre que son pays soit menacé. Je vais vous poser une question pour tous les trois parce que c'est très intéressant lorsque vous parlez de faiblesse de l'État. Si on résume ce que vous voulez dire, est-ce que ça veut dire que si demain, la qadr Allah, il y a un conflit armé, l'Occident et le monde vont plus soutenir le Maroc que l'Algérie? C'est ce que vous voulez dire, en quelque sorte. C'est ça? Il y a une question d'intérêt. Personne. Il y a une question d'intérêt. Pas nécessairement, mais on n'a pas besoin d'afficher des positions politiques. Il faut voir les circuits de l'armement, les intérêts. Le Maroc, il a un lobbying infiniment plus puissant. L'Algérie, il y avait Abdelaziz Al-Habi parmi nous il y a 15 jours qui nous le rappelait. La diplomatie algérienne, sous Bouteflika, elle a en fait complètement effacé sa capacité d'influence dans le monde, dans la région, parce qu'elle était paralysée au même titre qu'était paralysée son chef de l'État. Mais, en fait, moi, je ne crois pas à la possibilité d'un conflit entre l'Algérie et le Maroc. Par contre, je pense que le Polisario risque d'être réarmé par l'Algérie, il ne faut pas se le cacher. C'est une option, qu'il risque d'être réarmé et qu'il risque de reprendre plus de risques opérationnels. Mais ces risques opérationnels vont déborder sur le territoire algérien, risquent de déborder. Ça a déjà débordé sur la zone libérée, ça risque de déborder. Mais cela, il faut savoir l'assumer, savoir le au niveau international pour dire, voilà, le cessez-le-feu est terminé, le Polisario revient à avant 91 et nous revenons tous à avant 91, ce qui aurait pu être évité si on avait un peu de vision politique, parce qu'on pouvait faire tout à fait autre chose, comme l'a fait Chadli Ben Jdid, en rouvrant les frontières, en rétablissant les relations diplomatiques avec le Maroc. Donc, dernière question sur ce sujet. Donc c'est possible. Allez-y. Justement, quand on parle d'une Algérie faible, Barak Ben Kindir ou Moukarana, le Maghreb, c'est un pays de daïf. Le Maghreb a des problèmes économiques et économiques. Il a des problèmes économiques. Il a des problèmes. مشاكل والانقسامات داخل العرش المغربي. داخل العرش المغربي هناك دسائس وفتنة. إذن كي نقولوا جزائر ضعيفة ولا مغرب ضعيف، المغرب عسكريا أضعف عن الجزائر، الجزائر عسكريا أقوى من المغرب من ناحية العسكرية، من ناحية العاتل واللوجستي. لكن كما قلت أنه المغرب اتخذ مواقف مع التطبيع جعلت منه من ناحية الدولية عنده دي لوبينغ انترناسيونال. نعاوليك وشنو قلت لك دوك حنا وكان نردخوا نتراجعوا على المواقف تاعنا اتجاه القضيه الفلسطينيه ونديروا التطبيع 30% فقط، يقول لي عندنا لوبينغ، لكن حنا مشينا بالمواقف تاعنا. نعاود هذيك الفكره هذيك، كنت نقول لكم لو كان حنا نعيطوا لاسرائيل نقول لها اسرائيل رانا معاك بصح كونديسيون، حنا العصابه والله ما تبقى العصابه هذه لو كان ساعه. بتفهموا واكو على بالكم وكاع تعرفوا كاع حنا غير نعاودوا في الهضره ونساندوا بعض الناس بلك يطحنوا من المورال ولا اي حاجه. بصح قسما بالله العظيم ما نحبسوا لا عيد لا عواشير لا رمضان لا صبح لا العشيه لا موت لا والو. موراكم والزمن طويل. لو كان يجوا اليهود يحاربوا في البلاد هذه، انا نروح نحارب مع اليهود كونترا عليكم انتوما. انا نحارب مع اليهود زعما نديروا اليهود
تل أبيب تصدم هنا الجزائر. أنا نلبس كومبا مع تل أبيب، نلبس كومبا مع اليهود، روح نحارب مع اليهود كونتر النظام هذا. قسما بالله، أقسم بالله عليه العظيم، غير نرفد السلاح مع اليهود كونتر النظام هذا، وراني مسؤول على كلامي. صافا نروح معاكم بعيد يا النظام وليد الحرام. صافا آية دي الخارجية، قسما بالله تصدمنا بورت بلاد هنا. أنا نروح نلبس لي كومبا تاعها، نروح أنا نولي الآية دي خارجية، نابورت بلاد تدخل علينا، أنا نروح نلبس الكومبا تاعها، نروح نلبس الكومبا ونحاربكم أنتوما.